Monsieur le maire de la commune de Ngor, mesdames, messieurs les conseillers, on a accusé un peu de retard. On va dès à présent procéder à l'installation du maire de la commune de Ngor. Monsieur le maire, veuillez vous lever. Les écharpes. Monsieur le maire de la commune de Ngor, conformément à la loi et en ma qualité de représentant de l'État auprès de la commune de Ngor, je vous installe officiellement dans vos fonctions de maire de la commune de Ngor. Toutes mes félicitations. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup et toutes mes félicitations à tous les conseillers avec à sa tête monsieur le maire de la commune de Ngor. Monsieur le maire, vous héritez d'une commune aux potentialités immenses qu'il va falloir booster pour créer les conditions d'un développement pérenne. Il y a beaucoup de choses à faire. Votre prédécesseur a eu à faire beaucoup de choses également. Il va s'en dire. Mais c'est aujourd'hui vous qui avez la confiance des populations. Et il vous revient en tant que maire de travailler avec ces mêmes populations-là pour satisfaire leurs besoins. Je puis vous assurer, en tant que représentant de l'État auprès de cette commune, de ne ménager aucun effort pour vous accompagner dans le respect des lois et règlements. Je vous remercie encore une fois pour l'accueil et je vous souhaite plein succès pour la suite, ainsi qu'à vous et à tous les conseillers. Au-delà de ça, je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont présents ici pour vous dire que je ne pourrai assister à la suite des travaux d'une loi sur la parité qui dit que, au niveau du bureau municipal, il faudrait nécessairement qu'il y ait le respect de la parité. C'est-à-dire que si je suis là en tant que représentant de l'État pour veiller à l'application scrupuleuse de la réglementation. Elle ne l'est pas. Je vous laisse continuer, monsieur le maire. Vous avez le droit. Vous avez le droit parce que à partir de ce moment où vous êtes installé, c'est vous d'ailleurs qui présidez le conseil municipal, pas moi. Et à partir de ce moment même, moi je vous transmets la suite du débat. La suite des travaux, pour que vous puissiez continuer tranquillement, comme vous le recommande la réglementation. Mais je dis moi, en tant que représentant de l'État, je ne peux pas être là jusqu'à la fin pour cautionner ce non-respect de la réglementation. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous laisse dérouler, monsieur le maire. Je vous laisse dérouler, monsieur le maire. Et je respecte aussi la décision que vous avez eue à prendre, mais dites-vous que aussi de mon côté, je connais bien la réglementation par rapport à ce qu'elle a, à ce qu'elle dit, et je ne peux pas faire fi de son application au sein de ce conseil.
J'ai été ce matin quelque part à installer un conseil et on a eu à échanger là-dessus et ils ont été d'accord parce qu'ils ont compris que c'est comme ça que la réglementation doit être respectée. Mais je trouve que à votre niveau, peut-être vous avez une autre compréhension, c'est normal. Vous me dites que vous voulez un texte de loi tout de suite ici et maintenant, que je dois vous sortir. Si ça est nécessaire, et je vous dis que le texte de loi m'a été envoyé, ça est là. Il y a. Elle est signée, bien sûr. Il y a la loi 2010-11 du 28 mai 2010, instituant la parité absolue homme-femme. Il y a le décret 2011-819 du 16 juin 2011, instituant la parité absolue homme-femme. Donc, en tant que représentant de l'État, je ne peux pas faire fi de l'application de cette réglementation. Salam alaikum tout le monde. Madame le sous-préfet, Monsieur Mbaye, adjoint sous-préfet, grand Diaraf, imam, nous sommes tous ici. Je vais aller vraiment vite pour que nous sachions ce qui se passe. Et aussi ce retard, parce que ça a vu qu'ils sont venus. Après, ben y a un jour où nous sommes venus. Ce qui se passe, il est prévu que nous avons installé le maire. Le maire est installé les adjoints. Le maire est installé, il y a deux adjoints. Année US ñaar la doon am et biñ joté arrêté ministériel bobu wané na ngor ñetti adjoint lay am ci lañ jël lolu waxtaan après résultat biñ ko validé wané né liste bi mo gagné ñu jël ñi jall ci conseil ñu waxtaan faré trouver un bureau municipal ñu waxtaan pour wara am ñetti adjoint buñu waxtané ci lolu ñu am ñu tann ko goor comme premier adjoint, tanat ko gor comme second, tanat ko jigen troisième. Buñu défé lolu, ñu am ñu soufflé information par rapport à la parité. Ñu né donc ñun duñu nek en marge de la loi. On a entamé suñu recherche. Xol def recherche documentaire, xol est-ce qu'il y a une loi ou un décret signé. Je dis bien signé. Ñu koy gëstu. Ça fait deux semaines. Le blingis, c'est des projets de loi et des projets de décret. Blingis, c'est lolo. Nous avons un projet de loi, un projet de décret. Là, nous l'avons arrêté. Nous avons arrêté lolo. Bakkerok. Nous avons une loi ou un décret signé. Et jusque-là, au moment où je vous parle, on n'a pas vu de loi ou de décret signé. Je dis bien signé. Des projets de décret et des projets de loi, on en voit tous les jours la tonne et la quintale. Mais jusque-là, on ne voit pas de projet. Et c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure à Madame le sous-préfet. Il dit, nous, on a une disposition. Pour nous parler, c'est une bire, pareil. Nous devons consensus. Et pour faire un pas, parce que nous avons adjoint beaucoup de gens, après que les gens sont après que les gens. Et pour faire un pas, nous devons faire des gens, après que les gens. On est de bonne foi, nous sommes du mieux qu'on peut, et nous avons une loi pour signer. Mais pour, comme nous l'avons dit, nous avons fait un acte. Parce que nous sommes, au-delà de ça, c'est l'image de toute une commune et de toute l'administration qui est en jeu. Et nous avons fait un acte. Donc on a dit qu'on fait un effort. Et jusque-là, au moment où je vous parle, quand je suis dans la salle, c'est ce que je vous dis. Il y a deux options. On nous montre une loi signée ou un décret. De suite, si nous l'avons vu, Légui, nous on s'adapte. Tout de suite. Parce que nous, on n'est pas en marge là, on ne le sera jamais. L'UNIDEF est basé sur la légalité. Mais tant que nous sommes conduits, nous avancer. Parce que nous sommes conduits. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé jusqu'à ce que nous allons interdire. Et jusque-là, c'est des projets. Et moi, là, elle est encore là. Manuko, si nous avons légui, nous devons. Si nous avons amoulé, nous avons reporté jusqu'à ce que moi, représentant de la loi, qui doit venir asseoir ses décisions avec une loi ou un décret, elle est notre conseillère, notre première conseillère légale. Donc, si nous avons une loi ou un décret signé, il faut impérativement parité, nous, on s'adapte. Mais tant que nous avons, nous, on a un groupe.
il s'agit de Ngor. Waxnako sank amna maire fi diar, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Équipe bi fi mujj, équipe bi fi mujj parce que la loi là, c'est une loi 2010-2011 ak ben décret 2011-819 du 16 juin 2011. Équipe bi fi jogé, le maire c'était un homme. Le premier adjoint là lawone Don Ngor à la parité. Assemblée nationale, Moustapha Niass moy président bi, vice-président bi du Ngor. Té fofu lañ ko voté. Thiès, toutes les trois communes bataillent à une parité. Ce matin, on a vu Ndiarem Limamoulay à une parité. Ak yenen commune, on en a vu Barthélémy Diaz, maire mo Sacré-Cœur, amul sax digen fa. C'est un homme et un homme. Donc, on s'est dit nous luñuy def, on le base sur la loi. Té limay wax ni nak du waxu ben groupe. Là, je représente tout le monde. Et je le dis pour tout le monde. S'il y a une loi signée, validée, on accepte, on signe. Tout de suite, on avance. Parce que l'idée est de faire briller. Mais s'il n'y a pas de loi signée, là, nous talk, nous disons, nous, on n'est pas pour deux poids, deux mesures. Ben mur pour nous prêts. Donc, on attend d'avoir une loi signée. Et moi, je suis venu maintenant. Si nous sommes venus, on reporte jusqu'à ce qu'on ait une date. Nous avons beaucoup de temps illégalité. Nous voulons tomber dans la légalité et elle c'est notre premier partenaire, notre première conseillère. Nous voulons une première relation basée sur la frustration et les durs. Et ça va de l'image de toute l'administration. La mairie c'est un démembrement de l'État. Donc nous avons le sous-préfet, madame la sous-préfet, nous avons accepté cela. Nous aussi on est conscients que la mairie fait partie entière de l'administration. Donc nous ne pouvons pas faire ça, nous avons dans la tête. Vous voyez ñun duñ nangou di démé rek ci ay projet de décret et de loi bor ci sax suba nak ce qui veut dire que suba man nga sax té poser acte en tant que maire ñu dindi ko ci lo xamné mo signature sama fa le faire ñun xam nañ fi lañ dëkk nak xam nañ li xew on a vu ce qui s'est passé ailleurs xam nañ liñuy xaar on a vu ce qui s'est passé pendant les élections xam nañ liñuy xaar donc duñu tambali ci duggal lo xamné ëlëk man lañu andi galan ko téréñu liggéey dañu wara liggéey té dañuy liggéey nak. On a eu des échos comme quoi ñi duñ fi def dara. On a eu comme des échos ñi duñ liggéey. Ñu dañuy liggéey dé. Et c'est pas nit ku ñi téré def lool, mais on le fera légalement. On va le baser sur la loi, sur des textes et on le fera inshallah avec vous. Té lui yak yow sa carrière. Wala lui entache administration du jëg ngor. Ça on vous le garantit. Wayé nak ay la yewen. Lu ñi def na téggu ci document rek bu leer bu ñi signé. Un maire du ben association bu nek ci mbedd mi suy recevoir un document du recevoir document buñu signé wul il reçoit un document signé bu donté ampliation sax nak donc lolu mo andi mo tax mbir mi démé ni waye bu kenn yakane dara du politique raxu ci lenen raxu ci c'est des questions rek relatives à la loi lolu rek la du xëccu bu am fa lañ yi bëgg ki gennal du ay indi ju joté di xëccu ay poste du lolu. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est relatif à ça. C'est une loi, ñuy xaar gis décret wala loi bu ñu signé mo waral retard bi mo waral yi mais du ben fitna bu jëg ci ben groupe di jéggul wat encore une fois ci retard bi di remercier. J'en profite pour vraiment remercier la presse. Ils étaient conviés à 16h gis nañ ñu tok fi bob batay duñu xaar et apparemment gis ngeen ni mbiri démé ñun fête lañ xalaton tay ñeu def mbiri wa ngor yep andon def ben sey ñu sargalante and ñun ñep dem bu ko defé ñep nek ci jamm ñu xey lundi liguey bi commencé ñu commencé di def ay réalisation di dem xalaté wuñu ko won ni né nak sey ko bamba je vous remercie. Donc je sais pas quelles sont les dispositions. Merci beaucoup monsieur le maire. Mané tamit ma leral rek mbir duné feulé defuñu ko wala fi defuñu ko que man duma def li am solo moy suñu né loi bobu amul wala décret bobu amul ay wax kessé la loi bi amna décret bi amna té amna sax ben arrêt bu ay juge sukkandiku daldi né respect parité dafa nek lu war am ci instance unimel donc lu am la maintenant le conseil il est souverain su ngeen décidé né da ngeen di continuer sen vote malgré li ma len wax bu len nexé am ngeen ci droit mais mani tamit dama né
en tant que représentant de l'État, war mëna contrôler régularité opération yi fi am yépp. Ah, mënuma cautionner lu ni mel ndax yoon la té yoon bi am ni luñu signé la luñu dëggal la ba ay juge sukkandiku ci suñu né amul nak xeyna ku nekk da nga bëgg xalaté nu la neex waye ñu nit mënuñu cautionner lu ni mel ñu ngi jéggalu ñëpp wa salam. On poursuit l'installation du bureau. On poursuit l'installation du bureau. Donc je confirme que la sous-préfecture nous a laissé le matériel. C'est bien ça. Ils nous ont laissé le matériel. Il est bon de le souligner quand même. On n'a pas d'animosité avec personne. Les choses qui sont faites seront dites. Ils nous ont laissé le matériel pour pouvoir poursuivre. Donc nous allons poursuivre, peut-être inviter la presse à peut-être se décaler un peu pour permettre... aux élus de pouvoir voter tranquillement. Je vous remercie. Et jour élection aussi, et nous m'avons demandé une population vie. Nous avons eu un peu de temps.
maire bi nak magay rek mënu ko doxal lool motax ñuy wut ay conseiller conseiller nañ ci japp buñu bayyi ligéy bi ak magay kenn rek mënul dara li ñoo fait la porte donc na ngeen ko jappalé goor ak jigen wona ko sank mom may administration bi man may coutume bi donc mam mom fokk ñuy ligéy la main dans la main deuk tuitam kanam wassalam.